Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la construction d'un drum solo. On va partir donc sur trois parties: rythme moyen à 4 temps, rythme lent à 8 temps et rythme rapide à 2 temps. Donc pour ce schéma, je vais prendre trois rythmes: le maxum à 4 temps, le shift et telly à 8 ans et le malfouf à 2 temps. Au début, on va partir sur quelque chose de très simple et à l'intérieur de ça, je vais construire donc des phrases et aussi des transitions pour vous montrer comment travailler en fait le squelette et aussi tout ce qu'il y a autour pour pouvoir créer un drum solo. Donc on commence déjà par premier rythme, 4 mesures, deuxième rythme, 4 mesures, troisième rythme, 8 mesures. On y va, maxum. Shift telly, malfouf. Donc pour travailler les transitions, on va travailler à l'intérieur du rythme avec différents passages. Par exemple, pour commencer le maxum, on peut travailler sur un break d'introduction. Donc un break qu'on peut trouver très souvent dans les drums solo. Je vais utiliser un break qui est assez connu, donc en trois parties. Et vous pouvez vous-même créer des solos et des breaks comme ceci, donc en répétant des schémas avec certaines logiques. Par exemple, premier schéma. Première partie. Là, j'utilisais le rebond, mais vous pouvez utiliser aussi le rack. Rack attack, rack attack, boom. Rack attack, sac. Rack attack. Donc pour la dernière section. 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus doom doom sac qui va terminer la section. Donc rack attack doom, rack attack sac, rack attack, rack attack, rack attack, rack attack, rack attack, doom doom sac. Donc on peut le faire aussi en rack, là je l'ai fait au rebond. D'accord? À vous de choisir. Donc là, sur cette construction, ça va être le démarrage et qui va de vous donner aussi le tempo pour la suite. Donc si vous allez très vite, le tempo qui va suivre va être plus vite. Par exemple. Le maximum qui va suivre va être plus vite. Donc là, on va partir sur un tempo moyen, donc pas trop vite, pour lancer le maximum. Très souvent sur le maxum, je vais prendre 4 mesures pour lancer le rythme et qui va vous permettre d'installer le tempo pour la danse, par exemple, ou aussi pour vous, pour pouvoir vous rappeler les phrases quand vous allez commencer le drum solo, mais aussi pour pouvoir installer un tempo pour la suite. D'accord? C'est-à-dire que vous avez 4 mesures. Si vous avez démarré trop vite, vous pouvez ralentir un tout petit peu pour redescendre. Ça peut arriver aussi. Donc là, on va prendre 4 mesures de maxum et on va partir sur deux phrases, d'accord? Donc à l'intérieur du drum solo, vous pouvez utiliser plusieurs phrases. Donc là, on va prendre deux schémas. Je vais vous donner la première phrase pour commencer le drum solo et je vais vous donner la dernière phrase pour terminer la séquence du maxum, qui va être une phrase conclusive, d'accord? Donc on prend l'exemple. Donc on a 4 mesures de maxum. Arrivé ici, je vais commencer ma première phrase. Donc la première phrase que je vais appeler Joomla, qu'on peut appeler solo, et qu'on va répéter très souvent par deux ou par quatre. Alors le schéma de répéter par deux et par quatre vient à l'époque des cabarets, en fait dans les années 50, de répéter les phrases pour pouvoir en fait travailler directement avec des danseuses qui ne connaissaient pas forcément les musiciens. Donc il y a des schémas qui se sont installés, donc de répétition, par deux ou par quatre, et ces phrases sont devenues des standards, comme la phrase que je vais vous montrer,
et la phrase qui termine, qui sont des standards en Égypte qui sont très connus. Par exemple, première phrase, 6 plus 2, donc 6 fois la même chose, et la fin en deux temps, qui va être le doum doum sac, qu'on va retrouver beaucoup dans ce drum solo, qui va être quelque chose d'assez connu. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, doum doum sac. Ça, c'est une phrase que je vais répéter 4 fois. Troisième fois. Et quatrième fois. Ensuite, on continue le maximum. Donc toujours principe, c'est d'avoir évidemment un accompagnateur qui tient le rythme derrière pour pouvoir faire les solos pour mieux interpréter les phrases, évidemment. Donc là, on reprend le maximum pour l'exercice. On utilise plein d'autres phrases qu'on pourrait utiliser à l'intérieur du maxum. Toujours pareil, répété par deux ou par quatre. Et on arrive sur une phrase conclusive. Donc, je prends une phrase qui est très simple. Toujours même principe. 6 plus 2. Donc 6 fois la même chose avec doum doum sac qui termine la séquence. Je vais utiliser le sac qui va être une frappe qui va être plutôt conclusive pour le maxum. Et ça va donner ceci. Sac, tac à 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 doum doum sac. 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Et la quatrième. Je vais terminer comme ça, avec des doubles doums. Sac ou douma douma sac. D'accord? Donc pour la première phrase, si je la chante, donc on va utiliser le blocage donc du pouce avec un K. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et doum doum sac. Bloc à bloc à bloc à bloc à bloc à bloc à doum doum sac. Donc même principe, on arrive sur la fin du maxoum. Sur cette séquence. Dernière. On termine. Petit temps de pause. On arrive sur le Shift et Telly. Shift et Telly. On installe un tempo plus lent. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur du Shift et Telly? Alors, dans le Shift et Telly, par exemple, on peut tourner autour du rythme en utilisant des variations sur les blocages, sur les tacs fermés, ou aussi le Nocfa, ou d'autres techniques. Par exemple, peu compliqué. Je peux encore compliquer. Donc fa. Pour ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez utiliser aussi par exemple les trelles de 5. Donc toute une palette de phrases autour du Shift et Telly, d'accord? Ensuite, on arrive sur la dernière mesure. On va utiliser une phrase conclusive. Donc là, je vais utiliser une forme de triolet. Donc on arrive sur le Shift et Telly, doum taka taka tak, taka taka tak, on arrête ici. Doum kaka sak. Doum kaka sak ou
plusieurs manières, etc. Vous pouvez l'utiliser. Donc, l'idée, c'est de conclure la séquence. Très souvent, le triolet, je vais l'utiliser qu'une seule fois pour la dernière mesure. Donc, s'arrête ici. Ça va être la fin pour arriver sur le malfouf. Changement de tempo, même principe. On installe le rythme, donc même principe. On peut utiliser comme le maximum 4 mesures. 1, 2, 3, 4 et commencer des séquences de phrases. Je vais vous montrer un exemple de phrase. 3 plus 1, 2, 3, 4. Trêve de 5, on s'arrête ici, on bloque l'index. Doum, doum, ça. Donc trois fois la même phrase. Et on continue. On pourra faire plein d'autres phrases autour du malfouf. Et on arrive sur la dernière phrase qui va être une phrase conclusive. Par exemple, 3 malfouf et doum doum sac qui va terminer en fait la séquence qu'on va répéter 4 fois. Donc ceci. 2, 3, doum doum sac. 1, 2, 3, doum doum sac. 1, 2, 3. Et là, on a une séquence de drum solo. Je vais vous refaire tout depuis le début, donc avec chaque enchaînement, à un tempo moyen pour pouvoir travailler les transitions. On y va. Donc, on fait tac, tac pour démarrer. On commence par le break, le maxum, le shift et telly et le malfouf. C'est parti. Maxoum. Donc là, dans l'exercice, moi je vais faire d'autres phrases pour vous montrer quelques exemples. On arrive sur la dernière phrase. La phrase qui conclut. Et j'avais fait ça. Shift et Telly. On tourne autour du rythme. Voilà, bientôt à la fin. Malfouf. Et
Et là, on va aller sur la première phase. Alors, même principe que le maximum, on peut faire d'autres phrases. On arrive sur la fin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà pour le drum solo. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à vous et à bientôt.